En 2002, en moins d'un an, c'est une superficie équivalente à celle d'un pays comme la Belgique qui est partie en fumée. En un an à peine, la déforestation a fait un bond de 40%. Principale raison, l'explosion de la demande de soja sur le marché mondial. Sur les fronts pionniers de l'Amazonie, on déboise, on défriche à tout va. La forêt dense cède la place à un désert de latérite. Partout il y a des feux, partout on détruit toutes les forêts pour planter soja. On nous donne une nouvelle culture, exportation. Exportation quand la misère et la population a doublé en 30 ans ici au Brésil. On ne parle pas de ça. On parle de la misère, on détruit la fortune. Et le monde regarde passivement, il regarde tout ça, comme il regarde aussi les massacres qu'on fait homme contre homme. C'est ça mon travail. Je vais crier ma révolte très fort contre toute cette ambiance, toute cette société. Prendre tout ce qu'on détruit par le feu, amener, montrer, regarder un morceau de charbon. Hier, c'était un très bel arbre. Mais ça c'était aussi un mémoire de mes parents, qui sont aussi devenus des morceaux de charbon. Et ça, c'était vraiment... Quand je voyais des forêts brûler, tout ça, je dis bien, je suis dans la deuxième fois dans la guerre. Ça me laissait des tristesses incroyables. Plusieurs fois, je pleurais comme un enfant de voir comment on détruit. J'ai une image de nouveau la guerre. Je voulais crier. Et pour crier, si j'écris dans la rue, on me mettrait dans l'hôpital. De fou, qu'il est malade. Alors, l'unique moyen de prendre cette destruction des forêts, des morceaux brûlés et montrer. C'est ça, ce que vous avez fait. C'est révoltant, ça. La guerre continue. L'homme contre homme et l'homme contre cette nature. Et tout ça contre la vie.